combats du siège de Mina City doivent se dérouler sur le front et au-delà. Les raids déstabiliseront les forces de Sauron. Ok. Bon, bah ça met dans l'ambiance. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... L'ombre de la guerre. J'étais... L'armure était bleue? Ouais, bon, bref, bizarre. C'est un problème de couleur chez moi. On verra. J'avais pas l'impression qu'elle était de couleur là, en fait. Qu'elle était aussi flashy. Bref, nous devons aller là-bas. Ok. Alors, j'ai qu'un seul épisode à tourner aujourd'hui, vu que j'ai pas à avoir le temps. Du coup, est-ce que je ferais pas mieux de me concentrer sur des objectifs secondaires? Ça, c'est quoi, par exemple, c'est quoi, ça? Itildin. Ok. On peut aller voir ça d'abord, vu qu'il doit être juste à côté ou presque. J'ai bien fait de dire ou presque. J'aimerais bien pouvoir... Ok. Occuper certains d'entre eux. Hop les. Puisqu'apparemment c'est à l'intérieur. À l'intérieur ou à l'extérieur d'ailleurs. Ok. Ils sont deux, semble-t-il. Ce qui est ennuyant. Vu. Ah puis il y en a même un troisième qui arrive par la droite. Bon, bah tant pis, je passe. Hop, on est bon. Il y a tout un campement ici. Si j'avais eu des... Si j'avais eu... Ah, c'était juste en dessous. Ok, cool. Si j'avais eu des flèches, j'aurais pu avoir un bon paquet d'ennemis d'un seul coup. Reste à savoir s'ils me verront ou pas. Il y a un monsieur qui regarde vers moi et qui se rapproche. Est-ce que je peux avoir à peu près... D'accord, je vois où il est. Si ce monsieur se rapproche... Personne ne m'a vu. Ok. C'est pas mal l'espèce de petit... Tu veux bien, voilà. Pour nous concentrer... C'est pas mal ça, ouais, voilà, hop. Ok. On est bon. Premier objectif de la vidéo accompli, c'est cool. En moins de 3 minutes. On pourrait peut-être aller faire celui-ci. Cet artefact. Hop. On remarquera aussi qu'il y a un monsieur qui est arrivé ici. Je l'ai eu en un seul saut. Mais ils m'ont entendu. D'accord. Bon, pas de chance. Ok, on est bon. On s'en va. Alors, apparemment, quelqu'un a manqué de me voir. Quelque part, c'est tout petit maintenant, je trouve. Alors, il y a une mise à jour. Vous voyez, on l'a vu un petit peu bugger, le... L'information. Bon, c'est pas grave. Donc, ça marche, si je puis dire. On va aller là-bas. Puis qu'il n'y a personne. Et qu'il n'y a personne ici non plus. On est bon. Ça se passe bien, comme on dit. Alors voilà, le vrai souci, ça va être de traverser cet endroit pour rejoindre là. Puisque de là, en fait, jusque là-bas, il n'y a pas grand-chose. Il faudrait presque que je puisse utiliser, vous savez, les flèches, là. Les flèches spectrales, mais je ne peux pas. Puisque là-bas, alors je sais pas si je peux me mettre sur le rebord et traverser. Ou alors...
Ça va pas être tout de suite que je vais le faire, mais... ça aurait pu. Ou alors, regardez. Donc je peux... J'entends des choses. Eh bien, quoi que ce soit, ça ferait bien de garder ses... Hop, j'ai réussi à passer. Apparemment, les orques blancs sont des espèces d'esclaves à la con. Je vois pas trop ce qu'ils représentent. J'imagine que c'est une tribu, vous savez, qui sert d'esclave, vu qu'il y a l'introduction des tribus. Ok. Il semblerait qu'il y ait un Karagor qui soit brisé. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais récupérer cette gemme. Et hop là. Et toi, tu es à moi. Manger. Lorsque votre puissance est pleine, appuyez sur pour dévorer les ennemis afin de... Ah, c'est plus... Oui, c'est vrai qu'ils étaient un peu pétés. Ils étaient un peu pétés pendant un temps, je me rappelle plus. Créatures. Bêtes, voilà. Non, les grogues, c'est ça. Les grogues, ils étaient un peu pétés parce qu'ils pouvaient bouffer à longueur de temps. Et donc du coup, ils devenaient quasiment immortels. Hein. Salut les filles. Boum. Comment tu oses me passer dessous, toi? Oh, il y a des archers qui tentent des choses. Boum. Mangez. Voilà. Je me suis pris un truc de... J'ai quand même l'air un peu lourdeau sur les bords, hein, si je puis me permettre. Enfin bon. Boum. Voilà. Au moins ça se déplace vite. Reste à savoir s'il va survivre longtemps. Oh bah lui il reviendra pas hein. En vrai il revient pas normalement hein. Hop les. Boum. Bon, je te laisse là. Je vais faire un tour. Si ça ne te dérange pas. Boum. Bonjour. Crac. Je vais récupérer l'artefact perdu. Crac. Voilà. Ça m'en fait 3. On va peut-être garder le grog un peu plus longtemps. Oh, c'est joli ça. Les orques ont une réputation de brutalité bien ancrée. Mais ce comportement cache une ruse et une cruauté bien adaptée. Oui, c'est sûr. Ils sont balèzes, les orques. Hein. Faut pas les prendre pour une espèce de sous-race, quoi. Plus ancienne que celle qu'on trouve de nos jours. Je doute que l'orque qui l'a volé connaissait son origine. Alors, est-ce que t'es en forme? Ça va, on a connu pire. Bon. Du coup, attendez, parce qu'on va peut-être trouver des choses intéressantes à faire finalement, maintenant qu'on a ça. Ça, c'est quoi par exemple? Vendetta en ligne, S-Death, en tuant Traclabstinant. Bah, écoutez, on va aller tuer le Traclabstinant. C'est bien, il est abstinent, il a choisi de ne pas tuer, du coup on va aller de plus tuer en fait. Du coup on va aller le tuer maintenant, qui a enfin fait ce choix. Difficile dans sa vie, c'est normal. On est un peu psychologue, on est médecin, je le rappelle, on résout les maux de gorge, etc. Bleh. Ah, je peux pas passer par là, si, je peux grimper. Ouh, je peux grimper, c'est que du bois, mais c'est du bois solide. Oh, par contre, la chute va être terrible. Lâcher, je peux le lâcher. Boum. Mettre dans le monde d'un autre joueur chez son tueur. Bah, écoute, c'est parti. Je peux... Ah bah non, je peux pas partir comme ça. Oh. Bonjour. Tu es un gros monsieur. Attends. J'ai faim. Laisse-moi te manger. Plus ils sont gros, plus ils sont bons. Boum. Bon, par contre, ça résout pas mon problème. Ah, là, il y a des gens. Bon, par contre, il risque d'y avoir un Karagor aussi dans le coin. Pas des Karagor, pardon, justement,
Un grog. Oh putain, mais ça grimpe bien en plus cette saloperie. Eh, hey, franchement. Tu veux bien? Ah. Ah. Lâche. Voilà, je lui ai donné un... je lui ai fait un compliment, vous voyez. C'est comme avec les bêtes, vous leur faites un compliment et d'un seul coup ils arrêtent. Mon chien c'est pareil, des fois tu dis un truc sympa, etc. Et puis 10 secondes après, il s'arrête. Boum. Couché. Sale. Bête. Boum. Manger. Voilà, merci à toi. Il y a le pute. Oh, bonjour. Ah bah c'est bien, tu t'es répété pour histoire que je comprenne, mais... Non, c'est pas lui que je veux, c'est lui, voilà. Boum. Voilà. Je te laisse aller en éclaireur, je... Hein? Je récupère ce que j'ai à récupérer, ça te dérange pas. Ah bah non, je peux le récupérer de là. Oh bah cool. Bon bah du coup, je vais aller voir l'archer. Bonjour. C'est pour un sondage. Ah merde, je peux pas aller le voir. Ah, voilà, bah, c'était une façon de le faire, en fait. Une facette. Bref. Où est mon tout gros monsieur? Taïo! On va le chercher, apparemment il est là. Bonjour! Ah oui, c'est la zone où on était la dernière fois. Bah, l'avantage, c'est que c'est facile comme ça. Alors je vais pas gagner beaucoup d'XP, mais voire pas du tout, je m'en fous un peu à vrai dire. C'est rigolo. Boum. Alors toi, fallait vraiment pas te mettre sous mon pied. Voilà, 50 pièces, génial. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour 50 pièces en argent? Localisez votre cible. Oui, madame. Où est-il? Là-bas. Ah ah. Le sage. Ouais. Oula, j'ai pris feu. Nourrissons-nous. Par contre, ça pue du cul, là, il prend cher. Là, j'ai intérêt à faire vite pour récupérer de la santé. Ouf, le pauvre. Merci pour le miam. Voilà, ouais, on a pu voir que j'ai pas récupéré tant de santé que ça, finalement. Du coup, on va se bouger le fion. On va en lancer un deuxième. S'il veut bien. Hop. J'adore ce combat de boxeur, limite. Hop, je tue le mien. Histoire qu'on perde pas le... Merci. Merci, mon ami. Mange, t'as raison, nourris-toi. Nourris l'enfant de ta mère, comme on dit. Bon, on va aller voir notre copain quand même. Ah, attendez, j'ai ça aussi à faire. On le fera après. Bonjour. Ah, je peux pas rentrer là-dedans. Tu veux bien sortir, s'il te plaît? T'es à l'abri et ça me dérange. Ah. Jeune homme, bonjour. Tu es si sûr de toi. Tu ne vois pas que tu gaspilles ta jeunesse. Ah oui, parce qu'il est sage, il est ancien. La sagesse vient avec l'âge. Ah, tu me pètes déjà les couilles. Boum. Bonjour. Ah non, ah non, tu ne t'enfuiras pas. Je cours forcément plus vite que toi. Non, 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 non. Oh merde. Oh, le seul endroit où je peux pas passer de tout le jeu. Ah non, tu t'enfuiras pas. Mais non, monte pas. Bon, c'est pas grave, il est monté. Ah, il faut que je fasse tomber d'abord. Boum. Voilà. Crimp le sage a fini écrasé. Écrasé par ma sagesse à moi. Tu la sens, ma grosse sagesse? C'est un peu ça. Ah, armure gondorienne. Est-ce qu'elle est mieux que la mienne? Peut-être. Je vois niveau 6, niveau 7. C'est une vraiment noire, celle-ci. D'accord. Bah écoute, je vais prendre celle-là. Elle est jolie aussi. Cool, cool, cool. Ici, j'ai quoi? Un arc niveau 6. Ah oui, qui fait moins de dégâts, je me souviens. Et apparemment, j'ai une nouvelle épée blanche, oui, donc pas extrêmement intéressant.
Ok, bon bah on continue. Alors je suis désolé, j'ai beaucoup de chansons moisies dans la tête en ce moment. Bon par contre par là ça se... Ah attendez, y'a peut-être quelqu'un. Non, c'est une bannière. Alors, question, est-ce qu'il y a quelqu'un pas d'intéressant mais je dirais d'important. Pardon, excusez-moi, je dois passer. Alors bon, apparemment y'a personne de plus important dans le coin. Ah, censé y avoir qui ici? Tuka, le semeur de mort. Putain, mais c'est quand même chelou. Voir les détails. Il est joli avec son petit bandana. Mais il est où? Parce que je suis censé... Enfin, il est censé être dans le coin. Tuka! Le me. Tu calmes. Je la refais pas. Il est pas en haut. Pas que j'arrête de me battre, sinon je vais perdre du temps. Mais je trouve pas. On va bouger, hein, c'est pas grave. Peut-être que c'est une mission hein, dans cette couleur là. Waouh! Et dire qu'il y en a un, normalement, un grog qui se balade là-dedans. Vous vous rappelez? C'est du vécu. Ça sent le vécu. Poupilou. C'est quoi ça? L'oiseau de proie. Oh, bah, excuse-toi. Ah, il a fallu que j'aille chercher ça? Bon, bah, j'y vais. On y va. On n'a pas peur. La méthode Waterloo, n'ayons pas peur de faire peur. Mouah. Bref, désolé, c'est une... Oh, je vais te manger, toi. T'as quelque chose à me donner, je te mange. Hop, c'était combien? 50 pièces. Waouh, tellement d'argent. Boum. L'argent des abonnés. Des abonnés. Des abonnés. Voilà, boum. Bonjour. Grimpe. C'est fou, le machin il en chie alors que voilà, il fait plus ou moins. Voilà, alors ok, bouge pas, mémorise. Qu'est-ce que c'est? J'ai traversé les plaines et les déserts, les pierres de Gorgoroth, les champs de Mourne. Oh, d'accord. Révéler le souvenir. Ah oui, c'est un. Regardez, c'est un. En fait, voilà, c'est une image que je dois. Voilà, que je dois recomposer en déplaçant le reste. J'aime beaucoup ce genre de truc. Il y en avait dans The Evil Within, je crois. Et aussi, bah, pour la blague, il y en avait aussi dans... Oh non! Non! Depuis le début, Sauron a été conçu... Non, mon grog! Alors, c'est à nous de le détruire. Ce qu'il me faudra, c'est une lame dissimulée au poignet. Les poroses ne verraient jamais rien. Hop! Oui, tu m'as pas garé, non plus, d'ailleurs. Je crois que je peux le dire, pour le coup, là, hein. Bon, par contre, je suis à 900 mètres du truc. Alors, voilà, j'ai une... Je peux pas, pourtant. Désolé. Par contre, faut vraiment qu'on puisse faire un double saut et sauter sur la personne. Je sais pas si c'est prévu à un moment ou à un autre, mais... Je suis désolé, techniquement, c'est trop classe pour ne pas pouvoir exister. Personnage. Combat, non bah non, soit peut-être dans l'assassinat, dans l'assassinat, ça ne va plus. L'assassinat, ruée spectrale, brutalisation. Liane empoisonnée, chaîne spectrale. Spectre mortel. Oh, c'est intéressant ça. Ça c'est extrêmement intéressant. Mais ça ne correspond pas à ce qui m'intéresse. Dague déséquilibrante, non. Lumière elfique, non. Tempête de glace, non. Consommation, non. Chasseur de trésors, ça pourrait être intéressant. Ah bah oui, ça c'est génial ça. Et prospecteur, donc c'est ici, trouver tous les artefacts. Les gemmes de qualité, waouh, ça c'est stylé. Bon par contre, ça me dit toujours pas comment je suis censé assassiner correctement. Coup final au sol, coup critique, contre-parfait. Agression brutale, représailles. T'es en train de me dire qu'il n'y a pas? Mais non, c'est pas possible qu'il n'y ait pas. C'est... Eh bah dis donc, je suis déçu, je l'admets. Je suis extrêmement déçu. C'est tellement stylé pourtant. Peut-être que ça viendra avec une bonne mise à jour. Une mise à jour gratuite, donc.
C'est ce qu'on appelle une bonne mise à jour. Comment je passe ? Hop là. Ok. Ah ! Alors déjà le mec est extrêmement optimiste parce que c'est pas si, c'est quand. Et de plus, il est intelligent, il comprend que si on détruit tout, qu'est-ce qu'il nous reste derrière à détruire ? C'est pour l'histoire, c'est un peu ce qui arrive au chouchou. Oula. Hop, je préfère. Ah, je l'ai eu. Oh putain, des ghouls. Des ghouls ou des ghouls, jamais su. Hop là, non, tu dégages. T'as bien essayé. Mais toi, tu vas être mon futur copain. Tiens, mange le ghoul. Non, sorry, bon bah le mange pas. Du coup, le chemin le plus rapide vers Rome, c'est par là. Bon, bonjour. Du coup. Hop les. Non, ça le... Aïe, et tu permets ? Ah si, j'ai eu un caragor en plus. C'est en train de les... Non ? Non ? Non, c'est juste le bonus, c'est ça ? Bon bah voilà, on l'a eu. Ok, donc j'ai deux caragors avec moi, c'est cool. J'ai une petite meute qui est en train de se faire toute seule. Cassé, bouh, sale, vache. Mange, nourris-toi. Nourris-toi, voilà. Ah, t'es quoi, toi? Hop, mangez. Boum, l'exécution à d'autres bêtes qui marche bien aussi. Manger, parce que là t'es un peu dans le rouge hein, en termes de santé. Hop. C'est cool, ça marche plutôt bien quand même hein, le. Vous l'avez tous eu. J'avais qu'une seule amie et vous l'avez bouffé. Ah, vous allez la bouffer. Hop là. Crac. Bon bah ça se passe plutôt bien. Hein. Bonjour, tiens, donne-moi ta tête, s'il te plaît, merci. Merci pour la gemme de richesse au passage. Tu es un. Ah, je vais le perdre, je m'en doutais un petit peu. Mais bon, l'avantage, c'est que lui. Ah, non, je pensais. Ah, non. Bon, vous savez quoi, vous me pétez les couilles. Voilà. C'est histoire de me la péter, je l'admets. Et toi, je te finis bien, proprement, voilà, histoire qu'on ait quelque chose de visuellement potable à regarder en cas de décès. Ok, ça c'est cool. Bon, j'ai des choses à aller récupérer là-bas, tout va bien. Avec potentiellement des flèches juste à côté, c'est parfait. C'est tout bénef là, cet épisode-là est facile presque hein, à tourner. Ah, capitaine inconnu. Ohé, ohé, capitaine. Non, je vais pas la chanter jusqu'à bout. Narugle, comment? Ah, c'est bien, il a un bon nom. C'est un nom qui concorde, comme l'avion. Ça a mal fini pour lui, l'avion, en plus, quand on y pense. Bref. Allez, grimpe. T'as le lion, je sais que tu peux grimper plus vite que ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Je sais que c'est un artefact, mais c'est quoi comme artefact? Ouh, c'est joli. Les elfes apprécient le raffinement dans tous leurs arts. Et les cristaux de cet artefact luisent doucement,
même dans une pièce plongée dans le noir. J'en sais quelque chose, car il m'arrivait souvent de m'introduire dans la grande salle pour lire à la lumière des cristaux, alors que tout le monde me croyait sagement endormi. Et ce serait pas ce que tu fais là, genre lire un bouquin ? Un petit peu, hein. On n'a pas du tout l'impression que tu lis, quoi, c'est... Bref. On va aller là-bas, on a encore du temps, hein. On en profite. En plus, je pense que c'est un jeu, faudra qu'on ait des pauses de temps en temps au niveau de l'histoire pour pouvoir... Je m'étonne que les orques ne l'aient pas cassé juste pour faire du bruit. On peut pas le brutaliser, toujours pas. Bon bah tant pis. Hop là. Hop là. Personne. Je suis personne. Tu connais l'histoire de personne? Ça se passait sur une île avec... comment il s'appelle? Ah, le géant, là, le... Comment, le cyclope. Coucou. Le mec, il a rien vu du tout. Il devait être borné d'un côté. Hop, la toile du destin. C'est joli, ces trucs-là. J'aime bien. Oh. Ah 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 ah. Là, effectivement. C'est joli. Ouh, comment qu'elle couchait avec Anatar, qui est l'incarnation donc elfique de Sauron, hein. À l'affût de quoi? D'une occasion. Forcément d'une occasion, réfléchis. Là on a quoi? Avant-poste. Est-ce qu'on en profite? On en profite. Soyons fous. Je suis fou de vous. Ah. Hop là. Il y a un monsieur là-haut. Ce qui est chiant, c'est que je suis pas du tout du bon côté en fait pour commencer à m'en approcher. Par contre, toi, faudrait que tu meurs tout de suite. Ok, ils m'ont pas vu. En espérant qu'ils viennent voir le cadavre. Oh oui, viens. Oh oui. Non? Non, tu veux pas te rapprocher? Viens voir. Viens me voir, viens voir papa. Regarde, 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 regarde. Fais gaffe. Il paraît que y a qu'une seule marche. Voilà, je t'avais prévenu. Ok, bah, il y a du monde par contre. Hein. Toi, t'es tout seul. Toi, t'es intéressant. Hop. Ne résiste pas. Ok. Bonjour. Oh ouais, oh ouais. Le seigneur du tonnerre. C'est stylé quand même. C'est hyper méga stylé. Bon, c'est pas grave. Crac. Ça doit faire mal. J'ai pas essayé, mais j'ai des doutes sur les bienfaits de cette façon de se soigner, si je puis dire. Vous ne me voyez pas. Hop là. Ce qu'on appelle savoir se mouvoir dans le plus grand des silences. Ok. Allez, je tente le coup. Ça s'est joué à rien par contre, hein. Ouh, bonjour. Bon, on doit encore traverser tout le bâtiment, hein. Pas toute la zone. Qu'est-ce que cela?
Galgal. Ah! Il y a des Galgal dans chaque région, c'est intéressant. Si c'est le cas, je vais les voir tout de suite. Hein. Je préfère encore faire les choses bien. Voilà, merci. Cool. Ah bah je suis content d'avoir trouvé. Bon, j'ai pas tout, donc ça sert à rien de nous embêter, cela dit. Alors... On a entendu le petit coup d'électricité, vous avez qu'à refermer la porte derrière nous. Il y a de l'électricité dans le sein des anneaux maintenant, voilà autre chose. Ah, j'adore ce jeu. Ce jeu me fait kiffer. Y'a personne? Bonjour. Bah limite, s'il y a personne, je vais pas prendre de risque, je vais pas m'avancer dans les dans la zone au-dessus. Alors par contre là ça me pose un problème. Tu sens quelque chose? Effectivement, viens par là. Viens voir papa. Viens voir papa. C'est marrant, la musique s'énerve pour une raison inconnue. Bonjour. Ah, t'es encore trop loin pour... Bon, allons-y. Il est tout seul au bord du feu? Oui. Extrêmement intéressant. Ça permet d'avoir des infos gratuites. Hop là. Bonjour. Dis-moi. Dis-moi de tout, à genoux. J'étais pas de ce bord-là, mais... Nouveau renseignement. Oh, l'épieur. Il est joli, cela dit, hein, avec le rouge, le côté très dark. Pourquoi pas. Maintenant, tu vas devoir perdre la tête, hein. Ok. Le feu s'est dit, je vais exploser tout seul, histoire de voir si... Si je peux lui faire perdre des PV. Avant-poste, c'est parti. On se fait ça, on est à 32 minutes. Donc j'avais dit que l'épisode durerait que 30 minutes, mais bon, c'est pas grave. On y va. Soyons fous. Et la chasse se termine. Et la chasse se termine. Moi, je chasse tous les jours. Trois ennemis jetés dans le vide. Oh oui, je vais te jeter dans le vide. Hop, ça en fait un. Allez, grimpe. Je sais que tu peux grimper, alors grimpe. Allez, voilà. C'est une bonne fifi. Le rôdeur. Hop, et de deux. Et de trois. Pourquoi? Ah oui, putain, c'est vrai, je suis dans ce jeu-là, c'est pas bon. Non. Mais qu'est-ce que tu me fous? Pache, le profanateur est arrivé. Cool. Donc il est venu, destructeur toxique, tribu, terreur. Son armure est sympa en fait. Elle est extrêmement complexe à regarder. Vous savez, il y a plein de petits détails. Et ça va très bien avec le côté toxique, vous voyez ce que je veux dire? Bonjour. Boum! Ah merde! Bonjour! Ah c'est pas toi! Je suis désolé, je vais devoir t'annoncer un truc. C'est que... Ah merde! Oh! Ah! Permets, je m'occupe de ton pote. Voilà, t'as lieu au niveau 9! Point d'aptitude obtenu, voilà comment finir un épisode avec classe. Et comme on a tué le chef de l'avant-poste, tout le monde s'enfuit. C'est une très bonne chose. Ça s'est plutôt bien fait. Je suis content. Il a tué le chef.
Voilà. Je l'avais dit. Fuyez, pauvre fou! Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il y avait un ver dans le coin, mais c'est... Bonjour, dis-moi tout. Non? Non, bah c'est pas ça que je voulais, mais... Why not? Bonjour! Ah, quelque chose me dit que je vais en chier maintenant. Oh. Voilà, boom bitch. Get out my way. Hop, allons-y. C'est pas le bon chemin. C'est pas la guerre, ça. Je suis là pour la guerre, moi. T'es là pour la guerre, oh bichette. Oh merde. J'aimerais ce n'est pas ça. Hop les, bonjour. Non mais t'as cru toi. Hop les, un petit coup sur la gorge comme ça. Non mais arrête. Arrête. Ok, t'es un gros ennemi toi. J'ai pas capté. Ok, bon. Non, j'avais l'impression. Ok, bon, on va aller vérifier ce qu'on a. Est-ce qu'on peut mettre... Par exemple, ça, je ne peux pas le mettre. Je crois que c'était ça, pourtant, qui était intéressant. Non, c'était ça? Non, c'était pas ça. C'était quoi qui était intéressant? Mais frappe de l'ombre, non, chasseur de trésors, c'est ça. Aptitude précédente... Ah, d'accord, faut que j'accède à toutes les aptitudes avant. Bon, on va prendre la dague. Parce que clairement, ça, c'est un des trucs à avoir en premier. Hein. Ça va être extrêmement intéressant. Même tout va être intéressant sur cette ligne-là, en fait, je crois. Pour l'évolution du jeu, en fait. Parce que c'est peut-être celle qui est le plus, justement... Oula. Alors. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, la mise à jour était censée résoudre tous ces problèmes-là. Et on voit que ce n'est pas le cas. Ok, bon. Maintenant qu'on est planqué, est-ce qu'on peut aller se téléporter quelque part? On sera peut-être un tantinet plus tranquille. On est où? 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 On est là. Alors on a peut-être un truc ici à choper, mais ça m'emmerde d'aller le prendre tout de suite. On va se téléporter là, et on ira le chercher dans le prochain épisode, je pense. Ok, donc, salut les gens, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, pour cet petit épisode tout seul, un petit peu en session unique, on va dire ça comme ça. C'est un épisode session, on va appeler ça comme ça, où il y a eu, en fait, finalement, que du fun, et pas vraiment d'avancée dans l'histoire. Encore, on est au 6ème épisode. Je suis désolé. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus d'histoires ou plus de moments comme ça. Et puis moi, je verrai si je fais 1 sur 2, 1 sur 3, un épisode comme ça, on verra. Par la suite, voilà. Salut les gens!